Le jour où mes frères vont vers les hauteurs. Il manquait une personne pour porter les cornouilles. Yuan Jie est revenu au palais. La famille est donc au complet. Savez-vous pourquoi, à l'occasion de la fête de Chongyang, je viens boire avec vous sur cette terrasse? Votre Majesté, le 9e jour du 9e mois, le soleil et la lune brillent ensemble. Ce jour qui s'appelle Chongyang est propice à la stabilité. Les parents et les enfants festoient sur les hauteurs. Vous avez bien raconté. Cette terrasse est ronde. La table est carrée. Que représente-t-elle? Le ciel, qui est rond. La terre, qui est carrée. L'image du ciel et de la terre correspond aux règles auxquelles nous obéissons. À l'intérieur de ce carré et de ce cercle, chacun doit garder sa place. Ce sont les règles. Roi, sujet, père, fils. Fidélité, piété, politesse. Les règles ne doivent pas être transgressées. Avez-vous des requêtes à me soumettre? Votre Majesté, je voudrais me rendre à la frontière de Qinzhou, où la guerre fait rage. Quel motif vous pousse à partir? Je ne connais que le royaume. Je voudrais vivre d'autres expériences à l'extérieur. D'autres requêtes? Votre Majesté, votre humble fils... Je vous écoute. Je ne sais pas si je dois. Alors réfléchissez d'abord. Il restait 2 gorgées de la tisane de 7 heures. Reste-t-il encore de ce remède? Il en reste un peu, Votre Majesté. Complétez. Oui. Votre Majesté, votre humble épouse n'est pas malade. Ceci n'est que votre avis. Une dose désignée, à une heure désignée. Cela fait partie des règles. Yuan Chen. Mère, ne mécontentez pas Sa Majesté. Mère, buvez. Restez à genoux jusqu'à ce que votre mère ait pris son remède. Votre Majesté, si notre mère est réticente, pourquoi l'obliger? Tout remède à son dosage. Toute action à sa rigueur. Vous devriez le savoir. Mère, vous prenez ces remèdes depuis des années. Ce ne sont que 2 gorgées. À quoi bon refuser? C'est vrai. Je prends ce remède depuis des années. À quoi bon refuser? Votre mère est malade. Ne le savez-vous pas? Nous le savons, père. Un malade doit être soigné. Que peut-on reprocher à cela? Que vouliez-vous me demander? Votre Majesté, je souhaiterais, à la fête de Chongyang, commander la garde royale. Je désire moi aussi acquérir de l'expérience. Yuan Jie étant de retour, que cette charge lui incombe. Yuan Jie. Présent, père. La garde royale sera sous votre seul commandement.
Le jour de Chongyang, la sécurité des palais privés dépendra de vous. Avez-vous bien compris? Je me montrerai digne de votre confiance. Vous devez savoir comment faire.